Today we're going to talk about the God of my covenant. Aujourd'hui nous allons parler du Dieu de mon alliance. Yes. There is so much to say. Il y a tellement à dire. But we're going to let the Holy Spirit say what is essential. On va laisser le Saint-Esprit dire ce qui est essentiel. So let's all take our Bible in the book of Genesis. Dans le livre de Genèse, de la Genèse. Thank you, Jesus. Genesis 28, 10 to 22. Genèse 28, de verset 10 au verset 22. Yes. Genesis 28, 10 to 22. Genèse 28, verset 10 au verset 22. Can we all rise, please, to honor the word of God? Honorer la parole de Dieu. May I read? Now Jacob went out from Beersheba and went toward Haran. So he came to a certain place and stayed there all night because the sun had set. And he took one of the stones of that place and put it at his head. And he lay down in that place to sleep. Then he dreamed, and behold, a ladder was set up on the earth, and its top reached to heaven. And there the angels of God were ascending and descending on it. And behold, the Lord stood above it and said, I am the Lord God of Abraham, your father, and the God of Isaac. The land on which you lie, I will give to you and your descendant. Also your descendant shall be as the dust of the earth. You shall spread abroad to the west and to the east, to the north and to the south. And in you and in your seed, all the families of the earth shall be blessed. Behold, I am with you and will keep you wherever you go and will bring you back to this land. For I will not forsake you until I have done what I have spoken to you. Then Jacob awoke from his sleep and said, surely the Lord is in this place and I did not know it. And he was afraid and said, how awesome is this place? This is none other than the house of God. And this is the gate of heaven. Then Jacob rose early in the morning and took the stone that he had put at his head, set it up as a pillar and poured oil on top of it. And he called the name of that place Bethel, but the name of that city had been Luz previously. Then Jacob made a vow saying, if God will be with me and keep me in this way that I am going and give me bread to eat and clothing to put on so that I come back to my father's house in peace, then the Lord shall be my God. Amen. And this stone which I have set as a pillar shall be God's house. And of all that you give me, I will surely give a tenth to you. Let's take a second scripture. First Chronicles 4, 9 to 10. 1 Chronique 4, verset 9 à 10. Yes, First Chronicles 4, 9 to 10. 1 Chronique 4, verset 9 à 10. The Bible says, now Jabez was more honorable than his brothers, and his mother called his name Jabez, saying, because I bore him in pain. And Jabez called on the God of Israel, saying, oh, that you bless me indeed and enlarge my territory, that your hand would be with me and that you would keep me from evil, that I may not cause pain. So God granted him what he requested. Father, I thank you for your word. Père, je te bénis pour ta parole. Your word is powerful. Ta parole est puissante. Your word is life. Ta parole est vie. Your word is spirit. Ta parole est esprit. Holy Spirit, come and take the lead. Saint-Esprit, viens prendre le contrôle. I don't know how to preach. Je ne sais pas comment I don't prêcher. Know how to teach. Je ne sais pas comment you enseigner. Are the best teacher. Tu es le meilleur enseignant. Let me decrease. Que je diminue. And you increase. Et que toi tu augmentes. Show your glory this morning. Montre ta gloire ce matin. Let your grace shine upon your people. Et que ta gloire brille sur ton come peuple. And visit your people. Viens visiter ton peuple. As this word is being preached. Pendant que cette parole est prêchée. Father, I thank you for your presence. Père, je te bénis pour ta présence.
I rebuke any spirit that does not confess the name of Jesus Christ of Nazareth. And I surrender this atmosphere to the heavenly places. Come and dwell in the midst of your people. Come and touch us. Come and refresh us with a fresh anointing. In the name of Jesus. Someone say amen. And you may be seated. Hallelujah. Amen. So, here is this story, right? Voici cette histoire. The Bible says that Jacob. La Bible dit que Jacob. Slept. A dormi. And he had a vision. Et il a une vision. And he saw a ladder. Et il a vu une échelle. From the earth, going up to the heaven. De la terre jusqu'au sommet du ciel. And at the top of that ladder, et au sommet de cette échelle là, God was standing. Dieu se tenait là. And God introduced himself. Et Dieu s'est présenté. I am the God of Abraham. Je suis le Dieu d'Abraham. Your father. Ton père. The God of Isaac. Le Dieu d'Isaac. I will bless you. Je te bénirai. Your descendant will be as much as the dust. Ta postérité sera autant que la poussière. I will keep you. Je te garderai. I'll be with you. Je serai avec toi. I'll never forsake you. Je ne t'abandonnerai plus jamais. Until I fulfill jusqu'à ce que j'ai everything I said ce que to you. Tout ce que je t'ai dit. I pray that je prie que this shall be your portion. Cela soit ta portion. Amen. Hallelujah. Amen. I feel his anointing strong. Je sens cette forte onction. And I pray that God give me the grace to preach. Et je prie que Dieu me donne la grâce de prêcher. Thank you, Jesus. So the Bible says that. Donc la Bible dit que Jacob had that vision. Il a eu cette vision. And God revealed himself to him. Et Dieu s'est révélé à lui. Amen. Amen. And God promised him to bless him. Et Dieu lui a promis de le bénir. Hallelujah. Amen. On the other side, we have Jabez. De l'autre côté, nous avons Jabez. The story of Jabez. L'histoire de Jabez. The Bible says he was more considered among his brothers. La Bible dit qu'il était moins considéré parmi was ses more. Il était plus considéré parmi ses frères. Hallelujah. But he had a problem. Mais il avait un problème. Despite of that consideration that he had. En dépit de cette considération qu'il avait. The Bible says that his mother called him Jabez. La Bible dit que sa mère l'a appelé Jabez. Because she says she bore him with pain. Parce qu'elle dit qu'elle enfantait avec beaucoup de douleur. It means that the life of Jabez. Ça veut dire que la vie de Jabez was always associated with pain. Était toujours associée avec la douleur. Hallelujah. Amen. And at some point in his life. Et à un moment de sa vie. He realized that he could not continue like that. Il a réalisé qu'il ne pouvait plus continuer comme ça. Like you and I. Comme toi et moi. At some point in our life. À un moment de notre vie. We see so much resistance. On voit tellement de résistance. So much failure. Tellement de échec. That we feel like there is something wrong. Qu'on se dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. We need to fix it. On doit fixer cela. Who's with me this morning? Amen. So the Bible says Jabez called upon God. Donc la Bible dit que Jabez a invoqué le Seigneur. The God of Israel. Le Dieu d'Israël. And he said, et il a dit, if you bless me, si tu me bénis, if you enlarge my territory, si tu élargis mon territoire, if your hand is with me, si ta main est avec if moi, you keep me from evil, si tu me gardes du mal, so that I may not see pain, afin que je ne vois point la douleur. And he continued. Et il continue. He continued. Il a continué. And the Bible says. La Bible dit, and God et Dieu granted Jabez what he asked. A accordé la prière de Jabez. I pray that this morning. Je prie que ce matin. God grant what you told him. Dieu accorde ce que tu lui as demandé. Amen. Oh, I want you to be focused this morning. Now I have a question for you. Maintenant j'ai une question pour toi. What Jabez told God. Ce que Jabez a dit au Seigneur. Does it sound familiar to you? Est-ce que ça c'est familier pour toi? Is it like a déjà vu? Est-ce que c'est comme du déjà vu?
Hallelujah. Amen. You know, when Jacob had that vision, vous savez, quand Jacob a eu cette vision of God standing on the top of the ladder, Dieu qui se tenait au-dessus de l'échelle, he told Jacob, il a dit à Jacob that he was the God of Abraham, his father. That qu'il était le Dieu de, du père de Jacob. He was the God of Abraham, his father. D'Abraham, son père. And the God of Isaac. Et du Dieu d'Isaac. Hallelujah. Amen. I want you to compare a little bit. J'aimerais que tu compares un peu. Those two stories. Ces deux histoires. Hallelujah. Amen. We're trying to go slowly for you to understand. On essaie d'aller lentement pour que tu comprennes. Amen. So when God tells Jacob, donc quand Dieu dit à Jacob, in you, all the families of the earth shall be blessed. En toi, toutes les familles de la terre seront bénies. It just means blessings. C'est juste des bénédictions. Hallelujah. Amen. Blessings in general. Bénédictions en général. And Jabez says, et Jabez dit, if you bless me, si tu me bénis, let's come back to Jacob again. Revenons encore à Jacob. And God said to Jacob, et Dieu dit à Jacob, your descendant, ta descendance, shall be as the dust of the earth. Sera comme la poussière de la terre. You shall spread to the west, to the east, to the north, to the south. Tu vas t'éparpiller du sud, de l'est jusqu'à de l'est à l'ouest jusqu'au sud. And Jabez says, et Jabez dit, God, Seigneur, if you enlarge my territory, si tu élargis mon territoire, let's go back to Jacob. Retournons encore à Jacob. And God told him, et Dieu lui a dit, I am with you. Je suis avec toi. And I will keep you wherever you go. Et je te garderai là où tu iras. And Jabez says, et Jabez dit, if your hand is with me, si ta main est avec moi, if you keep me, si tu me gardes. Hallelujah. Amen. Have you seen it? Est-ce que vous avez vu? Which God did Jabez call? Quel Dieu Jabez a-t-il appelé? Hmm? Which God did Jabez call? Quel Dieu Jabez a-t-il appelé? I'm asking you. Je vous demande. What does the Bible say? Le Dieu d'Israël. The God of Israel. Le Dieu d'Israël. We could think of Israel as a nation, right? On peut parler d'Israël comme une nation. We could think of Israel. On peut penser d'Israël comme une nation, n'est-ce but pas? But because of the similarities of the stories. À cause de la similitude des histoires. Of those both stories. Ces deux histoires. We could also see Israel as an individual. On peut aussi voir Israël comme un individu. Because when God met Jacob, parce que quand Dieu a rencontré Jacob, and they fought, et qu'ils se sont battus, this is another story. C'est une autre histoire. The Bible says, la Bible dit, God told him, que Dieu lui a dit, you fought with men and with God, and you have been the winner. Tu t'es battu avec l'homme et Dieu, et tu as été le gagnant. So your name, donc ton nom, shall be Israel. Israël. Hallelujah. Amen. Are you with me? Yes. I'm trying Amen. To introduce J'essaie something. D'introduire quelque chose. So when God, donc quand Dieu, the Almighty, le Tout-Puissant, is not just your creator, n'est pas juste ton créateur, but becomes your personal God, mais devient ton Dieu personnel. There are three major things. Il y a trois choses majeures. Three major privileges. Trois privilèges majeurs. That you will notice in your life. Que tu vas remarquer dans ta vie. Or that you should manifest. Ou que tu dois manifester in dans your ta life. Vie. Number one. Numéro un. The blessings. Les bénédictions. Of all nature. De toute nature. Material or immaterial. Matériel ou non matériel. Material. Matériel. And immaterial. Et non matériel. Immaterial, it's like peace, joy. You know, et you enjoy non matériel comme what la God joie, gives. La paix, tout ce que Dieu te donne. And everything else also that is material. Et tout ce qui est matériel aussi. Number two. Numéro deux. When God is your God. Quand Dieu est ton Dieu. Another thing you should see in your life. Une chose que tu dois voir dans ta another vie. Another thing you should une see in your life. Une chose que tu dois voir dans ta vie. Is growth. C'est la maturité, la croissance. La croissance. Be with me this morning. Growth. La croissance. Multiplication. La multiplication. Hallelujah. Amen. You can never be stagnant. Tu ne peux pas être stagnant.
That's why the Bible says we go from glory to glory. C'est pour cela que la Bible dit que nous allons de gloire en gloire. When God is not just your creator. Quand Dieu n'est pas juste ton créateur. But he's your personal God. Mais qu'il est ton Dieu personnel. Those things must be noticed in your life. Ces choses doivent être remarquées dans ta vie. Number three. Numéro 3. Divine protection. La protection divine. Amen. Hallelujah. Amen. When God is not just your creator. Quand Dieu n'est pas juste ton créateur. But when he is your Lord. Mais quand il est ton Seigneur. He will give you divine protection. Il va te donner la protection divine. You will be untouchable. Tu seras intouchable. You will be invincible. Tu seras invincible. And that divine protection. Et cette protection divine. Will introduce you to dominion. Va t'introduire dans la domination. And supremacy over your enemies. Et la suprématie sur tes ennemis. Amen. Are you with me? You shall possess the gates of your enemies. Tu posséderas les portes de tes ennemis. Not the other way around. Pas d'une autre manière. Pas le contraire. Pas le contraire. What are the three privileges? Quels sont les trois privilèges? Number one. Numéro un. You shall see blessings in your life. Tu vas voir les bénédictions dans ta vie. Material. Matériel. And immaterial. Et non matériel. Number two. Numéro deux. You shall see growth. Tu dois voir la multiplication, croissance, increase. La multiplication, l'augmentation. Hallelujah. Amen. That's what Jabez said. C'est ce que Jabez a dit. That's why he said. C'est pour cela que Jabez a dit. If you enlarge my territory. Si tu élargis mon territoire. If you bless me. Si tu me bénis. If you keep me. Si tu me gardes. Divine protection. La protection divine. Amen. People of God. Peuple de Dieu. When you have a God. Quand tu as un Dieu. It's not just for decoration. Ce n'est pas juste pour la décoration. Amen. Oro Shabayanta. When you have a God. Quand tu as un Dieu. It must be tangible. Il doit être tangible. Amen. Otherwise, sinon, he's not worthy to be worshipped. Il n'est pas digne d'être adoré. Can I say it again? If you say you have a God, si tu dis que tu as un Dieu, and he cannot bless you, et il ne peut pas te bénir, and he cannot increase you, et il ne peut pas t'augmenter, and he cannot keep you, et il ne peut pas te garder, then he is not worthy. Alors il n'est pas digne to be called your God. D'être appelé ton Dieu. Amen. Hallelujah. As long as we will be on earth. Tant que nous serons sur la terre, we will face evil opposition. On va faire face à des oppositions démoniaques. And challenges. Et des challenges. Hallelujah. Amen. The Bible says that. La Bible dit que the devil came down. Le diable est descendu. With fury and a great anger. Avec fureur et une grande colère. So, at some point in our life, et à un certain moment de notre vie, we will face opposition. We will face a resistance. We will face afflictions, disappointment, frustration. Because the devil is around. Parce que le diable est là. Il est dans le quartier. Il est dans le quartier. Se promène. Alléluia. Yeah. The Bible says he's around. La Bible dit qu'il est autour. He's looking. Il cherche who he can destroy. Qui il peut détruire. And kill. Et tu so it is normal, donc c'est normal that you and I que toi et moi we face challenges face and opposition. But what is not normal, mais ce qui n'est pas normal is that we accept c'est que nous acceptons to stay de rester in affliction. Dans l'affliction. Amen. Are you with me? Est-ce que tu es avec moi? So at some point in your life, donc à un point de ta vie, at some point in our life, à un point de nos vies, we must stop crying. Nous devons arrêter de pleurer. We must stop worrying. Nous devons arrêter de nous inquiéter. We must stop complaining. Nous devons arrêter de nous plaindre. And we must engage our gods. Et nous devons engager notre Dieu. In our earthly matters. Dans notre problème terrestre. Alléluia, dans nos problèmes terrestres. Are you with me? Your cries. Tes pleurs. They won't change anything. Ne changeront rien. Your complaints. Tes plaintes. Will not change anything. Ne changeront rien. Engage God. Engage Dieu. When Jacob was running away from his brother, quand Jacob fuyait son frère, Esaü, because it was in his running away that he had that vision. Parce que he c'est dans cette fuite là qu'il a eu cette vision quand slept, il a dormi. And God spoke to et him. Dieu lui a parlé. Hallelujah. Amen. You know, you must know that. Vous savez, vous devez savoir que when you go through affliction, quand tu traverses l'affliction, God is closer to you than you think. Dieu est plus près de toi que tu ne le penses. Amen.
I'm telling you. Je te le dis. Never think that he doesn't see. Ne pense pas qu'il ne pense jamais qu'il ne voit pas. He doesn't care. Qu'il ne fait pas attention. Oh, he does. Oui, il fait attention. So he saw Jacob in the Donc middle of his troubles. Jacob au milieu de ses problèmes. Running away from his brother. Fuyant son frère. He was by himself. Il était lui seul. God introduced himself to him. Dieu se présente à lui. In other words, en d'autres termes, why are you acting like an orphan? Pourquoi tu te comportes comme un orphelin? I am the God. Je suis le Dieu. Of Abraham, your father. D'Abraham, ton père. I am the God. Je suis le Dieu. Of Isaac. D'Isaac. Who is your father? Qui est ton père? Amen. I can also be your God. Je peux être aussi ton Don't père. Don't you want to be blessed? Est-ce que tu ne veux pas être béni? Don't you want to be big? Est-ce que tu ne veux pas grandir? Don't you want to be protected? Est-ce que tu ne veux pas être protégé? I am the God of your father. Je suis le Dieu de ton père. Amen. The God of my covenant. Le Dieu de mon alliance. Oh. This morning I am calm. Ce matin, je suis calme. Because there is something going on in my spirit. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe dans mon esprit. I am the Lord God of Abraham, your father. Je suis le Dieu d'Abraham, ton père. And the God of Isaac. Et le Dieu d'Isaac. The land on which you lie, I will give it to you and your descendants. La terre sur laquelle tu as couché, je te le donnerai à toi et tes descendants. In other words, en d'autres termes, I also would like to become your God. J'aimerais aussi être ton père. Your God. Ton Dieu. And this is what I will do for you. Et voici ce que je ferai pour I will not leave you. I will not forsake you. Point. Until I have done. Jusqu'à ce que j'exécute. What I have spoken to you. Ce que je t'ai promis. Amen. God is speaking to you this morning. Dieu te parle ce matin. I will not forsake you. Je ne t'abandonnerai point. Until I fulfill. Jusqu'à ce que je fasse. What I have spoken to you. Ce que je t'ai dit. I am the God of your father. Je suis le Dieu de ton père. I am the God of the covenant. Je suis le Dieu de l'alliance. I told you this morning is different. Je vous ai dit que ce matin est différent. God wants to change destinies. Dieu veut changer des destinées. But he wants his people to understand. Mais il veut que son peuple comprenne. It is not normal. Ce n'est pas normal. To stay stagnant. De rester stagnant. It is not normal. Ce n'est pas normal. To not grow. De ne pas s'accroître, de ne pas grandir. It's not normal. Ce n'est pas normal. Not to get richer. De ne pas devenir de plus en plus riche. It is not normal. Ce n'est pas normal. Not to evolve. De ne pas évoluer. God wants you to know this morning. Dieu veut que tu saches ce matin. He wants to be your God. Il veut être ton Dieu. And if he was already your God, et s'il était déjà ton Dieu, he wants that covenant between you guys to be renewed. Il veut que cette alliance entre vous deux soit renouvelée. So that he will show himself strong in your life. Afin qu'il se montre plus fort dans ta vie. Ah. Because your territory shall be enlarged. Parce que ton territoire doit s'élargir. Who is with me this morning? Qui avec moi ce matin? To whom God is speaking this à qui morning? Dieu parle ce matin? Who is in affliction this morning? Qui est dans l'affliction? Who has challenges this morning? Qui a des défis ce matin? Who is facing opposition qui this morning? Face à des oppositions ce God matin? Says, I am the God of your father. Je suis le Dieu de ton père. I am the God of Abraham. Je suis le Dieu d'Abraham. I am the God of Isaac. Je suis le Dieu d'Isaac. And I want to be your God. Et je veux être ton Dieu. Amen. Something is going on. You see the advantage of having fathers. Vous voyez l'avantage d'avoir des pères. Who had a covenant with God. Qui ont eu une alliance avec Dieu. You who are listening to me this morning. Toi qui m'écoutes ce matin. Whether you are online or here in this place. Que tu sois en ligne ou bien en ce lieu. Can you assure me. Est-ce que tu peux m'assurer. That your fathers. Que tes pères. Have worshipped the true living God. Ont adoré le vrai Dieu. With which spirit did they have a covenant with?
Avec quel esprit avait-il une alliance? The spirit of God? L'esprit de Dieu? Or an evil spirit? Ou un esprit démoniaque? Don't come and tell me no. Ne viens pas et me dire. That spirit was neither good neither bad. Cet esprit n'était pas bon et n'était pas aussi mauvais. It was neutral. Il était neutre. It doesn't exist such non, a thing. Non, ça n'existe pas. Cette chose-là n'existe pas. You have pas. To pick a side. Tu dois choisir un côté. Whether you are the spirit of God. Ou bien tu es de l'esprit de Dieu. Or you are on the dark side. Ou bien tu es du côté noir. So our fathers. Donc nos pères. Our ancestors. Nos ancêtres. They have worshipped things. Ils ont adoré des choses. That they did not even know. Qu'ils ne savaient, qu'ils ne connaissaient même pas. And those spirits. Et ces esprits-là. Became. Sont devenus. Familiar spirits. Des esprits familiaux. You know, the same way Jacob, de la même manière dont Jacob was in a situation, était dans une situation, and the spirit revealed himself to him. Et l'esprit s'est révélé à lui. The same way, de cette même manière, if there is a spirit that your ancestors si worshipped, y a un esprit que tes ancêtres ont adoré, at some point in your life, à un moment de ta vie, they're going to be manifested. Ils seront manifestés. Even if they don't come in front of you, même s'ils ne viennent pas devant even if toi, they don't come and introduce même themselves, même s'ils ne viennent pas se présenter, they are leading your destiny. Ils conduisent ta destinée. Hallelujah. Amen. Are you with me? Hmm. So anyway, donc, whether your fathers worshipped God or not, quand bien même que tes pères ont adoré Dieu ou pas, in both cases, dans tous les cas, dans les deux cas, seek God. Recherche Dieu. Amen. Especially when you know that your spiritual background, spécialement si tu sais que tes origines spirituelles are not of the best. Ne sont pas les meilleurs. Amen. Hmm? In my family, dans ma famille, they worship water. Ils ont adoré les eaux. They worship death. Ils ont adoré la mort. So at some point in my donc, life, à un moment donné de ma vie, I face those spirits. Je fais face à ces esprits là. I have to be able. J'ai dû être à mesure. I have to be able. Je dois être à mesure. To turn away from them. De me tourner. And to call upon the gods. Et d'appeler le Dieu. That I have chosen to worship. Que j'ai décidé d'adorer. Amen. Because I have a choice. Parce que j'ai un choix. To either worship the God of my fathers. D'adorer les dieux de mes pères. Or to have the Almighty God become my God. Ou d'avoir le Dieu tout-puissant devenir mon Dieu. Amen. Oh, are you with me? Est-ce que tu es avec moi? So, when you know where you are coming from, quand tu sais d'où tu viens, you cannot afford to just do nothing. Tu ne peux pas juste rester comme ça tu sans rien te faire. Tu ne peux pas te permettre. That's a luxury. C'est un luxe. That you're just giving yourself. Que tu te donnes, tu te not to do anything about your challenges. De rien faire à propos de tes défis. So you're just there. Donc tu es juste là. And you are waiting. Et tu attends. For something magical to happen. Pour que quelque chose de magique arrive. No. Non. When you read the story of Jabez, quand tu lis l'histoire de Jabez, you understand that. Tu comprends que. You know the Bible says this. Vous savez la Bible. Among his brothers, au milieu de ses frères, he was the most honorable. Il était le plus honorable. It means that. Ça veut dire que in social life, dans la vie sociale, he already had a certain level. Il avait déjà un certain but niveau. In his spirit, mais dans son he esprit, knew that it wasn't enough. Ce n'était pas he assez. Knew that there was more he could have. Qu'il pouvait avoir. Amen. His soul, son âme, and his spirit, et son esprit, could not be content with what he had. Ne pouvait pas être content avec ce qu'il avait. Ne pouvait pas être satisfait. Ne pouvait pas être satisfait. Hallelujah. Amen. Are you with me? So right now, yes, you have a job, right? Oui, en ce moment, tu right as now, travail. Yes, you have a situation. Oui, tu as une situation. But I am sure. Mais je suis sûr. Deep down in yourself. Au profond de toi, you know, de toi, tu sais you are not where you are supposed to que be. Tu n'es pas là où tu es supposé être. That's what happened to Jabez. C'est ce qui s'est passé avec Jabez. Jabez said yes. Il dit oui. Among my brothers, au milieu de mes frères, I am somebody. Je suis quelqu'un. But you know what? Mais tu sais it's quoi? Not just about my ce brothers. Juste I am called frères. To greatness. Je suis appelé à la I am called to have a territory that is big and bigger and bigger and bigger. Alléluia. God, if you bless me, Dieu, si tu me if you enlarge my territory, si tu élargis mon territoire. Because in our inner being, parce que dans notre homme intérieur, we have the need, on a le besoin, to be prosperous, d'être prospère. Amen. Oh, I don't know if you're with me this morning.
Every child of God, tout enfant de Dieu, feels in his spirit, sent dans son esprit, that he is called, qu'il a appelé, to greatness, à la grandeur. Amen. Now it is up to us. Maintenant, il s'agit, ça dépend de nous. If we want to stay where we are, si nous voulons rester là où nous sommes, or if we want to see God, ou bien si nous voulons voir Dieu, in a bigger dimension, dans une dimension plus grande. I've come to ask you this morning. Je suis venu te demander ce matin. Are you satisfied of your life? Est-ce que tu es satisfait de ta vie? You feel that you have arrived? Tu sens que tu es arrivé? Non. Hein? Non. What do you feel in your spirit? Qu'est-ce que tu sens dans ton esprit? Do you have an inner testimony? Est-ce que tu as un témoignage intérieur? That tells you. Qui te dit? My son. Mon fils. My daughter. Ma fille. You are called. Tu es appelé. To be a blessing for your nation. Une bénédiction pour ta nation. A blessing for the world. Une bénédiction pour le monde. Do you feel it in your spirit? Est-ce que tu sens cela dans ton esprit? If you do. Si tu le sens. This alors, message is for ce you. Ce message est pour toi. Clap for your God. Acclame pour ton Dieu. Alléluia. Do as Jabez. Fais comme Jabez. Invite God in your life. Invite Dieu dans ta vie. And engage in spiritual confrontation. Et engage-toi dans une spiritual confrontation. Yes. What do I mean by spiritual confrontation? Qu'est-ce que je veux dire par confrontation spirituelle? Number one. Numéro 1. If you take notes, please, si please, please, note, please. S'il te plaît. Do it well. Fais-le bien. Because you may think that you will remember everything. Parce que tu penses que tu vas te rappeler de tout. You will not. Non, tu ne te rappelleras pas de tout. What do I mean by spiritual confrontations? Qu'est-ce que je veux dire par confrontation spirituelle? Number one. Numéro un. Are you ready? Est-ce que tu es prêt? When you want to see, quand tu veux voir, new dimensions in your life, de nouvelles dimensions dans ta vie, you must first. Tu dois premièrement identify the areas of lack. Identifier les domaines de manque. Are you with me? Amen. Identify the areas of lack and frustrations. Identifier les domaines de manque et de frustration in your life. Dans ta vie. You need to stop denying that there is an issue. Tu dois arrêter de nier qu'il y a un problème. Amen. Because Christians of today, they don't understand. Parce que les chrétiens d'aujourd'hui ne comprennent pas. Oh, by faith I am rich. Oh, par la foi by je faith, suis. I am healed. By oh, faith, par la foi je suis guéri. It's good. C'est bon. But first. Mais premièrement. You are sick. Tu es malade. Alléluia. Faith. La foi. Is not denying reality. Ce n'est pas de nier la réalité. Faith. La foi. Is to accept the truth. C'est d'accepter la vérité. Alléluia. But you must know your state first. Mais tu dois connaître ton statut d'abord, ton état d'abord. In order to do the appropriate things. Pour faire la chose qui est normale. When you go to the doctor. Quand tu vas chez le médecin. He tries to see first. Il essaie de voir d'abord. What is wrong with you? Ce qui ne va pas avec toi. He has options. Il a des options. Solutions. Il a des solutions. But he cannot just give you mais anything. Il ne peut pas juste te donner n'importe quoi. It's the same thing with your life. C'est la même chose avec ta vie. Don't just deny the issues ne of your life. Ne nie pas les problèmes de ta vie. Identify them. Identifie-les. Say in my life I have noticed that. Dis dans ma vie j'ai remarqué que my relationships don't go well. Mes relations ne vont pas. Ne marchent pas. Amen. When it comes to money, quand il s'agit d'argent, it comes but it does not stay. Ça vient mais ça ne reste pas. I've noticed that j'ai at some point, point of the year, à un moment de I la always année, fall sick. Je tombe toujours malade. Identify. Identifie. Amen. Number one. Numéro un. Now number two. Numéro deux. Realize that. Réalise que if nothing is done, si rien n'est fait, nothing will change. Rien ne changera. Amen. We want to be practical. On veut être pratique ici. That's the problem of Christians today. C'est le problème des chrétiens aujourd'hui. When you come to visit them in 2000, quand tu viens les visiter en 2000, they are the same. Ils sont in 2001, en 2005, en 2007, 2010. En 2010. What's wrong with us? Qu'est-ce qui ne va pas we avec are nous? Supposed to go from nous glory to glory. Nous sommes aller de gloire en gloire. When people saw you 5 years ago, quand les gens t'avaient vu 5 ans auparavant, they must see another person 5 years later. 5 ans après. That's what God says. C'est ce que Dieu about dit his children. À propos de we ses must enfants. Go from glory to glory. De gloire
en gloire. We must see growth in our life. On doit voir la croissance dans notre vie. Otherwise, the gospel we preach. Sinon, l'évangile que nous prêchons will not reach souls. Ne va pas atteindre. Because people will look at our life. Et les gens vont regarder. And they will be like, no, I don't want this life. Je ne veux pas cette vie. Amen. That's why many unbelievers. C'est pour cela que plusieurs non-croyants. They don't envy you. Ils ne t'envient pas. Your life. Ta vie. Is not enviable. N'est pas enviable. Amen. But God promised. Mais Dieu a promis. That He will give us the goods that are enviable. Qui va nous donner le les biens les plus enviables. Les biens les plus enviables. It's in His words. C'est dans sa parole. Are you with me? Amen. So what did we say number two? Donc, qu'est-ce qu'on a dit pour numéro 2? Realize that what if nothing is done? Réalise que si rien n'est fait, nothing will change. Alors rien ne changera. So are you still waiting for God? Amen. Huh? Are you still waiting Est-ce for God? Est-ce que tu attends encore Dieu? My people, I have a bad news Mon for Dieu, you. J'ai une mauvaise God is eternal. Dieu est éternel. You are not. Toi, tu n'es pas éternel. If you are waiting for that guy, si tu attends pour ce monsieur, to do everything, pour faire tout. You will die frustrated. Tu vas mourir frustré. Hey, do you want the truth? Est-ce que tu veux la vérité? There are familiar spirits. Il y a des esprits familiaux. That will make sure. Qui vont se rassurer. You stay. Que tu restes. The same way your father was. De la même manière que ton père était. That's why when God introduces Himself. C'est pour cela que quand Dieu se présente. He says. Il dit. I am the God of your father. Je suis le Dieu de ton père. Why does he say that? Pourquoi il dit cela? To tell you that. Pour te dire que if you have seen the life of your father. Si tu as vu le Dieu de la vie de ton père. The kind of life he had. La vie qu'il avait. It's me. C'est moi. Who did that for qui him? Qui l'a fait? I am the God of your father. Je suis le Dieu de ton père. So if you have seen the life Donc of your si father, tu as vu la vie de ton père, it shall be the same for you. Ça sera la même pour toi. And the familiar spirits, et les esprits familiaux, in our families, dans nos familles, they make sure te rassurent that the limitation of your fathers, les limites de ton père, stays your limitation. Reste aussi tes limites. Oh, do you understand? Est-ce que tu comprends? They will make sure Ils vont se that if your mother died of cancer, si ta mère est morte de cancer, you too you will die of cancer. Aussi, tu mourras de cancer. Are you with me? Est-ce que tu es avec moi? They will make sure Ils vont se rassurer that if your father had sickle cell, que si ton père avait la trépanocytose, you will also have sickle cell, toi aussi, tu auras la and your descendants also will have sickle cell. Aussi la That's why C'est pour cela God que doesn't stop at saying, ne s'arrête pas pour I am the God of your father. Je suis le Dieu de ton père. But He says too, Mais il dit encore, I will bless you je te bénirai, and I will bless your descendants. Et je bénirai tes He enfants. Is the God il est le Dieu who blesses bénit from generation, de génération to generation. En génération. Oh, Rabayata. God deals with generations. Dieu traite avec les générations. Are you with me? Oh, shall we stop or shall we continue? Clap for Jesus. So number two. Donc numéro deux. What did we say? Qu'est-ce qu'on avait dit? What shall we do, number two? Realize que si we must realize that. If nothing is done, si rien n'est fait, nothing will change. Alors rien ne changera. So this year 2021. Donc cette année 2021. If you don't do anything different, si tu ne fais rien de différent, than the previous year, que l'année précédente, things will not change. Les choses ne changeront pas. And it's not God's fault. Et ce n'est pas la faute de Dieu. Whose fault is it? C'est la faute de qui alors? Ta propre faute. Hallelujah. Number 3. Numéro 3. Are you with me? Est-ce que tu es avec moi? Remember that. Souviens-toi que if you call upon God, si tu invoques Dieu with all your heart, de tout ton cœur, He shall respond. Il répondra. Amen. Mm-hmm. Jeremiah 33:3. Jérémie 33 verset 3. Call upon me. Invoque-moi. And I shall respond to you. Et je te répondrai. I will show you things je te montrerai les choses that you did not cachées know. Que tu ne connaissais pas. Alléluia. 2021. 2021. You and I. Toi et moi. We need to call upon the God of our covenant. Invoquer le Dieu de notre alliance.
If we are not satisfied, si tu n'es pas satisfait, if we are not satisfied, si nous ne sommes pas satisfaits, at the level where we are, du niveau auquel nous sommes, we must do something. Nous devons faire quelque we chose. Must engage God. Nous devons engager we must Dieu. Call upon God. Nous devons invoquer Dieu. And it will be manifested. Et il sera manifesté. Amen. Hallelujah. Oh, you need to come next Friday to pray. Vous devez venir le vendredi prochain pour la prière. Don't come here and just say amen, amen, amen. Ne viens pas ici seulement et dis amen, amen. We must be practicing the word. Nous devons pratiquer la parole. Hallelujah. We must pray. Nous devons prier. So that this year, afin que cette année, we inherit the promise of God. Nous héritons de la promesse de Dieu. Of Isaiah 60 verse. De Isaïe 60 verset 11. Verse what? Thank you. Verse Alleluia. 11. What does it say? Qu'est-ce que ce verset dit? God says that your gates shall continually be open day and night jour so et that afin the que riches of nations les richesses des should enter. Croyants entrent. Alléluia. Jesus Christ. Amen. This is the promise of God. C'est la promesse de Dieu. But we cannot just say, oh, God says so. Non, I will just dire, oh, Dieu take a dit my ça, pillow, donc je vais prendre mon coussin sleep. Et dormir. Since God said, comme Dieu a dit, he will do. Il oh, no. Va le faire. Non. The devil le diable will not let things happen. Ne va pas laisser les choses se passer comme I ça. Wonder if you, je me demande si toi, you will let things happen. Tu vas laisser les choses se passer. Hallelujah. Amen. Verse 20. Verset of the story of Jacob. De l'histoire de Jacob. In Genesis. Dans Genèse. Verse 20 says what? Le verset 20 dit quoi? I'm going slowly. Then Jacob made a vow. Jacob fit un vœu. Are you with me? Amen. Jacob made what? A vow. Jacob fit un vœu. Saying what? Disant quoi? If God will be with me. Si Dieu est avec moi, keep me in this way and I'm going voyage, and give me bread s'il me to donne eat du pain à and manger, clothing to put on pour me vestir, so that I come back afin que je to my father's house in peace. Dans la maison de mon père, en paix. Then the Lord shall be my God. Alors le Seigneur sera mon Dieu. And this stone which I have set as a pillar et cette pierre sur laquelle je me suis couché shall be God's house sera la maison de Dieu. And of all that you Lord give me et de tout ce que toi Dieu tu me donnes I will surely give you a tenth to you. Je m'assurerai de te donner la dîme. He made a vow. Il a fait un vœu. People of God, peuple de Dieu, it's not enough that God speaks. Ce n'est pas assez que Dieu parle. God says a lot of things. Dieu dit beaucoup de choses in the life of his children. Dans la vie de ses enfants. But not everything is fulfilled. Mais pas tout est accompli. Because parce que we ignore nous ignorons the parameters les paramètres of spiritual life. De la vie spirituelle. My people perish mon peuple périt by par lack de connaissance. Of knowledge. Amen. Not by lack of words. Pas par manque de mots. Not by lack of promise. Pas par manque de promesses. If it's promise, si c'est les promesses, God promise a lot of Dieu stuff. Promet beaucoup de choses. But we perish mais nous périssons because we don't know. Parce que nous ne savons pas. Hallelujah. Amen. Make a vow as Jabez and Jacob. Fais un vœu comme Jacob et Jabez. The vow of Jabez, le vœu de Jabez has not been fully revealed. N'a pas été clairement révélé. Fully. Yes. Totalement. Pleinement révélé. Mm-hmm. The vow of Jabez was not fully revealed. Le vœu de Jabez n'a pas été pleinement révélé. The Bible just mentioned that Bible he asked God qu'il a demandé à Dieu to bless him, de le bénir, to enlarge his territory, d'élargir son territoire, and to have his hand upon et him, et d'avoir sa main sur lui. Hallelujah. Amen. But the Bible does not mention mais la Bible ne mentionne pas what he will do for God. Ce qu'il fera pour Dieu. Hallelujah. Amen. The Bible just said la Bible a juste dit, and God et Dieu granted exauça what he asked. Ce qu'il a demandé. Hallelujah. Amen. If you call upon God, si tu invoques Dieu, know that he will respond. Sache qu'il répondra. Amen. Hmm? Oh, you don't believe that if you call upon him, he will answer. Vous ne croyez pas que si vous l'invoquez, il va répondre. He is faithful. Il est fidèle. Amen. He is what? Il est fidèle. He is faithful. Now,
Jacob, maintenant Jacob, in the case of Jacob, dans le cas de Jacob, to whom God revealed what he wanted to do, à qui Dieu a révélé ce qu'il voulait faire, Jacob just repeated. Jacob a juste répété what God said he would do. Ce que Dieu a dit qu'il allait faire. If you see the story, you will see that. Si vous voyez l'histoire, si vous lisez l'histoire, vous allez voir cela. You can check and vous see. Pouvez vérifier. I'm not making that up. It is God who introduced himself to him. C'est Dieu qui s'est présenté à lui. Why? Pourquoi? Because Jacob had the advantage. Parce que Jacob a eu l'avantage. To have his fathers that had a covenant with God. Avec une alliance avec Dieu. Hallelujah. Amen. So God came to him. Donc Dieu est venu à lui. Because he's the God of generations. Parce qu'il est le Dieu de la génération. The God of generations. Il est le Dieu des générations. Hallelujah. Amen. So Jacob had that advantage. Donc Jacob a eu cet avantage là. So God came. Donc Dieu est venu. And told him what he wanted to do in his et life. Et lui a dit ce qu'il voulait faire dans sa vie. Jacob said okay. Jacob dit d'accord. And Jacob repeated. Et il a répété. What God said. He ce said Dieu God. Il dit Seigneur. If indeed. Si en effet. You will bless me. Tu me bénis. You will give me food. Si tu me donnes. You will give me clothes. Si tu me donnes de quoi me vêtir. You will keep me. Si tu me gardes. You shall be my God. Tu seras mon Dieu. And when you be my God, et quand tu seras mon Dieu, I will give you tenth. Je vais te donner la dîme of everything. De tout ce que I'll give you tenth. Je vais te donner le dixième, le dixième of everything. De tout you give me. Ce que tu me donnes. We then understand that. On comprend alors que when you say that God is your God, quand tu dis que Dieu est ton Dieu, who can finish my answer, my sentence? Tu dois lui donner le dixième de tout ce qu'il te donne. It can be tenth. Ça peut être le dixième. It can be something else. Ça peut être quelque chose d'autre. Because God was not the one telling him, parce give que me. Dieu n'est pas celui qui lui a dit donne-moi. Non, 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 non. Non. God came. Dieu est venu. He proposed him something. Il lui a proposé quelque chose. I'm the God of your fathers. Hey, je suis le Dieu de this ton is père. What I want to do in your life. C'est ce que je veux faire dans ta vie. Jacob said, okay. Jacob dit d'accord. If you will really do what you si say you will do. Si tu fais réellement ce que tu dis que tu vas faire. To tell you what? Pour vous dire that quoi? God can say things. Que Dieu peut faire des choses. They may not come to pass. Mais ces choses peuvent ne pas that's arriver. What Christians don't understand. C'est ce que les chrétiens ne comprennent pas. I need to stop here a little. Je dois m'arrêter un peu ici. God says many things. Dieu dit beaucoup de God choses. Promises a lot Dieu of things. Promet beaucoup de but choses. Because we lack knowledge. Mais parce qu'on manque de connaissances. We miss nous ratons what he wants to do in our ce life. Qu'il veut faire dans nos vies. So, donc, Jacob says. Jacob dit. Okay, whatever you say is good. D'accord, ce que tu as dit est I bon. Am interested. Je suis intéressé. If indeed you do. Si tu le fais vraiment. Everything you say. Tout ce que tu as dit. Now you shall be my God. Alors tu seras mon Dieu. And if you are my God. Alors si tu es mon Dieu. I decide. Moi je décide. To give you tenth. De te donner le dixième. Of everything. De tout ce que. You give me. Tu me donnes. So you don't walk with God. Donc tu ne marches pas avec Dieu. Without doing anything for God. En ne faisant rien pour Dieu. Because God always comes. Parce que Dieu vient toujours. With a package. Avec un package. That he proposes you. Qui te propose. God will always do his part. Dieu va faire toujours sa part. But will you do your part? Mais est-ce que toi tu feras la because tienne? A covenant. Parce qu'une alliance. It's both parties. C'est deux parties. The problem of Christians today le problème des chrétiens aujourd'hui is that they expect God to do, c'est qu'ils s'attendent à ce que Dieu but they don't want to do. Sa part, mais lui, eux, ils ne veulent pas faire leur part. That's why we are where we are. C'est pour cela que nous sommes là où nous sommes. Because you don't work with God. Parce que tu ne marches pas avec Dieu. Without doing anything for God. Sans ne rien faire pour because Dieu. He always does things for you. Dieu, parce que lui, il fait toujours pour toi. Amen. Do you understand? Est-ce que tu comprends? So the scale must be balanced. Donc la balance doit être ajustée. Équilibrée. Yes. Do you understand est-ce that? Est-ce que tu comprends? When you say that God is your God. Quand tu dis que Dieu est ton Dieu. There are tangible things you must do. Il y a des choses tangibles que tu dois faire. That prove. Qui prouve. That you indeed belong to God. Que tu appartiens à Dieu. Really. En réalité. Hallelujah. Amen. Jacob, he decided to give a tenth of everything Jacob, God would lui, give him. Jacob, lui, il a décidé de donner le dixième de tout ce que Dieu lui donnait. Who remembers what Anna did?
qui se rappelle de ce que Anna a fait. We know the story of Hannah. She was barren, right? Anna, elle était stérile, n'est-ce pas? Anna who was barren. Anna qui était stérile. Told God. Elle a dit à Dieu. If you give me a male child. Si tu me donnes un enfant garçon. What would I do? Qu'est-ce que je ferai? I will give him back to you. Je te le redonnerai. Let me tell you something. Laissez-moi vous dire quelque when chose. When you walk with God. Quand tu marches avec Dieu. When you want the covenant. Quand tu veux une alliance. When you want the covenant. Quand tu veux que l'alliance. To be effective. Soit efficace. You always give back to God what He gives you. Tu redonnes toujours à Dieu ce qu'il t'a donné. No, I don't know if you. Hey, I'm trying to teach a church this j'essaie morning. D'enseigner à une église ce matin. You don't walk with God. Tu ne marches pas avec with Dieu the way you want. De la manière dont there tu are veux. Ways to y a walk des with manières God. Pour marcher avec Dieu. Amen. If you study the Bible. Si tu étudies la Bible. Today people. Talk about God. Aujourd'hui, les gens parlent de Dieu. They don't know God. Ils ne connaissent pas Dieu. Amen. Those who know God. Ceux qui connaissent Dieu. They know that. Ils savent que. God does so much Dieu in our life. Tellement dans nos vies. That we owe Him everything. Que nous lui devons tout. Amen. So when you want the covenant to be efficient. Donc, quand tu veux que l'alliance devienne efficace. When you want the covenant to speak in your life. Quand tu veux que l'alliance parle dans ta vie. When you want the covenant to draw your destiny. Quand tu veux que l'alliance dessine ta destinée. Alléluia. You always give back to God. Tu redonnes toujours à Dieu. What He gave you. Ce qu'il t'a donné. That is the proof. C'est la preuve. That you acknowledge God as your God. Que tu reconnais Dieu comme ton Dieu. Alléluia. Because if He gives you, parce que s'il te donne, and it does not go back to Him, et que ça ne retourne pas à lui, it only means ça veut seulement that dire He is your Creator. Qu'il est ton créateur but seulement. You give honor, mais tu donnes honneur to something else à quelque chose d'autre than God. De que Dieu. No, you don't understand. This is the difference between God, entre Dieu, the Creator, le créateur, and God, et Dieu, your God. Ton Dieu. Amen. Because God the Creator, parce que Dieu le Créateur, He gives to everybody. Il donne à tout le monde. But you will see that mais tu verras only que a few people seulement certaines gives personnes back to God à Dieu what He gave them. Ce qu'il leur a donné. And those who do that et ceux qui le are font, those who call worshippers. À ceux qu'on appelle, et sont ceux-là même qu'on appelle adorateurs. Those who give back to God retournent à Dieu what God gave them Dieu leur a donné are not just His creatures. Juste ses créatures. They become His children. Ils deviennent ses they enfants. Become His people. And He is their God. Il est leur their Dieu. Personal God is no longer just il the creator, but He creator, engages Himself in their life, in their vie, destiny, in their fight, in their challenges, in their opposition. He becomes the God, not the creator only. Clap for your God. Pour ton Dieu. Alleluia. Oh, people of God. We don't know God today. So we say no. God knows I don't need to give. Who said that? You don't walk with God without giving Him nothing. Check the Bible. That's why we are miserable today. That's why we are weak today. Because the covenant we have with God is nullified. Because we don't do what we're supposed to do. We don't honor God the way we're supposed to. Pas Dieu de la manière dont nous sommes supposés le faire. Do you understand? Est-ce que vous comprenez? Do you understand? Est-ce que vous comprenez? So Jacob said, I will give you 10th of what you give me. Je te donnerai le dixième de ce que tu me donnes. And I said, if you give me what I want, si tu me donnes ce que je veux, if you give me a male child, si tu me donnes un enfant I will give him back to you. Je te le redonnerai. That's the way you work with God. C'est comme ça qu'on marche avec Dieu. If you are able, si mama, tu as à mesure, maman, to return to God, de retourner à Dieu, what He gives you, ce qu'il te donne. Oh my goodness. God sees that Dieu voit cela et dit, you are a true worshipper. Toi, tu es un vrai adorateur. Because you always have the choice. Parce que tu as toujours le choix. To do. De le faire. Or not to. Ou de ne pas le faire. Hallelujah. Amen. Shall I continue? Est-ce que je dois continuer? Shall I continue? Amen. Sometimes. Souvent. God will ask you things. Dieu va te demander des Other choses. Other times. Mais dans d'autres moments. He won't ask you anything. Il ne demandera rien. He won't say anything. Il ne dira rien. It means ça veut dire you will have to come up with a proposal. Que toi, tu dois venir avec une proposition. Ah, you don't understand. Listen to me.
When you reach a point in your life where you want to see God, quand tu arrives à un moment de ta vie où tu veux voir Dieu, and you wait on God, et que Pierre, tu attends Dieu, Pierre, you wait on Him, tu l'attends, to do something, à ce qu'il you wait, you wait, you wait, you wait, you wait, tu attends, tu attends, and you wait for a revelation, et tu attends une révélation, and it doesn't come, et il ne vient pas, don't stay there, ne reste pas là, go to God, va à Dieu, and alléluia, make a proposal, et fais une proposition. Am I talking to the church? I'm showing you how to walk with God. Je vous montre comment marcher avec Dieu. Don't always wait for that guy that is eternal. N'attendez pas toujours ce monsieur qui est éternel. He is eternal. Il est éternel. He has all the time. Il a tout but le you temps. And I, we have a set time on earth. Nous avons un temps marqué sur la terre. That's why David said, oh God, oh Dieu, teach me how to count my days. Mes jours. Alléluia. No, you don't understand. You have a set. Vous avez un temps qui est marqué. Period of days. Un temps défini. When you know that, quand tu sais ça, Jean-Michel. Jean-Michel. When you know that, quand tu sais that you have a number of days, que tu as un nombre de jours on earth, sur la terre, you don't always wait for tu God. N'attends pas toujours when you wait for God, quand tu and you don't see Him, et que tu ne vois and pas, you feel in your spirit, et que tu sens dans ton you receive esprit, a testimony témoignage that you are behind schedule, que tu es derrière that you are delayed. Ton emploi du temps you have the right to stand and to go to your God and to say, my God, my God, if you bless me, if you enlarge my territory, if you keep me, si tu me gardes, I will do this. Je ferai ceci. That's what we call, c'est ce qu'on appelle, a vow. Un vœu. Alléluia. Vows are powerful. Les vœux sont puissants. And they are dangerous. Et ils sont dangereux. Vows are not for everybody. Les vœux sont pas pour tout le monde. It's for those who are serious. C'est pour ceux qui sont sérieux. Hallelujah. Am I talking to someone here? Est-ce que je parle à quelqu'un? Is God talking to someone here? You've been waiting for God to tell you do this. Or you've been waiting for God to see a miracle. But God is waiting for you. Mais Dieu t'attend. What do you have to propose to God? Qu'est-ce que toi tu as proposé? To see what you want to see. Pour voir ce que toi tu veux voir. God has all the time. Dieu a tout le temps. But you don't. Mais toi tu n'as pas tout le temps. Now you, I pray that you understand. Je prie que tu comprennes. Amen. Go with faith and determination to God. Va avec foi et détermination. And engage him in your matters. Et engage-le dans tes affaires. He will always do. Il fera toujours his part. Sa part. But just make sure. Mais toi, rassure-toi. You do yours. Que tu fasses. When you go to Ecclesiastes chapter 5. Quand tu vas dans Ecclésiaste chapitre 5. When you read from 1 to 4 or 5. Quand tu lis de 1 jusqu'à 5 ou 4. The Bible says that. La Bible dit que we shouldn't be quick. Nous ne devons pas with être our mouth. Avec notre bouche. Hasty in our heart to say things to God. Pour dire des choses à Dieu. Because God is in heaven. Parce que Dieu est dans le ciel. And we are on earth. Et nous sommes sur la terre. Hallelujah. Amen. It means that ça veut dire he can do anything. Il peut faire tout. He can sweep you away. Il peut he can do anything. Il peut faire tout. So when you speak to God, donc, quand tu parles à Dieu, think. Réfléchis. And make sure. Et rassure-toi. Whatever you said that you will do. Que ce que tu as dit que tu allais faire. You will do it indeed. Que tu le fasses vraiment. Because he did not ask you for anything. Parce qu'il ne t'a rien demandé. You came with something. Tu es venu you avec came with a proposal. Tu es venu so avec you une better do donc, tu what you say you will do. God is not your mate. Dieu God is not your body. God is your God. Dieu est ton Dieu. Amen. Hmm? And many people are. They are struck with curses. Et plusieurs personnes sont frappées comme ça par les malédictions. Because parce que they say they will do things. Ils ont dit qu'ils allaient faire des choses for God. Pour Dieu. And they did not. Et ils ne l'ont pas they fait. Spoke to the pastor. Ils ont parlé au pasteur. Pastor, I will do this. Pasteur, je ferai ceci. The problem is that le problème est que they don't know that. Ils ne savent pas when que they speak to the representative quand of God, ils parlent au représentant de Dieu, they have spoken to God. Ils ont parlé à Dieu. Mm. Yep. Don't say, oh, pastor, I will do this. Pas, I will change oh, the instruments. Eh? I will do it. Je le ferai. When you say that, quand tu dis it is marked in heaven. C'est marqué au ciel. And now, the instruments are not changed. Et les instruments ne sont pas changés. What is wrong with that person? Qu'est-ce qui ne va pas avec cette personne? You don't play with God. Tu ne joues pas avec Dieu.
Those things bring curses in people's lives. Ces choses-là envoient des malédictions dans la vie des gens. So, donc, the Bible says in that same Ecclesiastes 5. La Bible dit dans ce même Ecclésiaste chapitre 5. If you make a vow to God, si tu fais un vœu à Dieu, do not delay to fulfill it. Ne te tarde pas de l'accomplir. Because he has no pleasure in fools. Parce que il ne prend pas plaisir dans les insensés. Thank you. Fulfill your vow. Remplis. It is better not to make a vow to God. C'est mieux de ne pas faire des promesses à Dieu. Than to make one and not fulfill it. Que de faire une et de ne pas l'accomplir. Yes. This is why I told you, vows is only for serious people, hein? Les promesses sont seulement. Vows. Les vœux sont seulement pour les personnes sérieuses. If you are not constant in your ways. Si tu n'es pas constant dans tes voies. You have hard time making decisions. Tu as des problèmes pour prendre des décisions. And honoring God. Et honorer Dieu. You won't go far with God. Tu n'iras pas loin avec Dieu. I'm telling you. Je te le dis. If you are not a man or a woman of words. Si tu n'es pas une femme ou un homme de parole. You will not go far with God. Tu n'iras pas loin avec Dieu. He has no pleasure in fools. Il ne prend pas plaisir aux insensés. Hallelujah. Brethren. Frères. Jabez says, Jabez a dit, enlarge my territory. Élargis mon territoire. For God to enlarge your territory, pour que Dieu élargisse ton territoire, you must have a territory. Tu dois avoir un territoire. Alléluia. Amen. God must notice that there is something Dieu doit remarquer qu'il y a quelque that chose he can enlarge. Qui peut élargir. He did not say, give me a territory. Il n'a pas dit, donne-moi un territoire. He said, enlarge my territory. Il dit, élargis mon so territoire. God must find you donc Dieu doit te trouver in an activity. En activité, God must find you Dieu doit te trouver doing something faisant quelque that chose it could increase, qu'il peut that augmenter, it could multiply. Qu'il peut multiplier. Alléluia. I don't have time to go into je details, pas le temps d'aller dans les détails, but I think you got that. Mais je pense que vous avez Christians chrétiens, are the laziest people ils sont les gens on les earth. Plus paresseux sur la terre. They just pray, rica braca yetere de rebeso cobro togo. Make me rich, make me rich, make me rich. How am I going to make you rich? Je vais te rendre riche. If you don't do anything, si tu ne fais rien, you don't have a territory, tu n'as pas de territoire that I can enlarge. Que je peux élargir. Rebe shataraba, make me rich, make me rich, make me rich. And you sleep. Et tu dors. That's the Christians. C'est les chrétiens. Now you see unbelievers. Maintenant tu vois les non-croyants. Their work. Ils travaillent. And you compare yourself to et them. Et tu te compares à eux. Work. Travaille. Do something. Fais quelque chose. Have an area. Et un domaine. Where you want God to visit you. Où tu veux que Dieu te visite. God must find you doing something. Dieu doit te trouver en train de faire and quelque when, chose. He will enlarge et il va élargir what you are doing. Ce que tu es en train de faire. Amen. Hallelujah. He will bless the work of your hands. Il va bénir le travail de tes mains. You know, we are going to pray for 1 minute. Nous allons prier pour une minute. But we're going to do the rest on Friday. You need to come. On va faire le reste le vendredi. At 7:45 p.m. Jabez's mother, la mère de Jabez, she probably unconsciously, elle a probablement put consciemment, unconsciously, inconsciemment, put a limit in her son's life. Mis une limite dans la vie de son fils. If he hadn't dealt with that, s'il n'avait pas dealé avec cela, traité his avec descendants cela, would have lived the same limits. Allaient vivre les mêmes limites. There are limits that we need to broke, il y a des limites to break que nous devons briser in our life. Dans nos vies. That's why we must be in a covenant with God or renew it. The most powerful covenant l'alliance la plus puissante is the covenant of the blood of Jesus. C'est l'alliance du sang de Jésus. The blood of Jesus le sang de that Jésus we must call upon que nous devons invoquer and we must claim et nous devons all the benefits that come qui with that blood. Avec ce sang. Healing, la guérison, breakthrough, la percée, prosperity, la prospérité, wealth, la richesse. Because the Bible says he made himself curse. Parce que la Bible dit qu'il s'est fait malédiction. Jesus, Jésus, so that we could be blessed. Afin que nous soyons bénis. The price was already paid. Le prix a été déjà but payé. We must declare. Mais nous devons déclarer. And we must claim. Et nous devons réclamer. Our rights. Nos droits. Vows reinforce covenant. Renforce l'alliance. Thank you. Vows reinforce covenant. Les vœux renforcent l'alliance. Jabez was a descendant of Judah. Il était un descendant de Judas. But he was living. Mais il vivait, he wasn't living. Mais il ne vivait pas. The blessing of Judah. La bénédiction de Judas. Do you understand? Est-ce que vous comprenez? He had the right il avait to the blessing of Judah.
Il avait le droit à la bénédiction de Judas. But he wasn't living it. Mais il ne vivait pas la bénédiction. Because of what you know. À cause de ce que the vous savez. The devil will always oppose you. Le diable va toujours s'opposer. So that's why. C'est pour cela que when you see a strong resistance vous voyez une forte in your life, dans votre vie, you see failure, vous voyez you see that you don't go anywhere, vous voyez que vous n'allez nulle part, you make vows. Vous faites des vœux. Vows les vœux renforce covenants. L'alliance. Amen. Stand on your feet. Tenez-vous debout. As Jacob repeated to God, comme Jacob a répété à Dieu, what he promised to do, ce qu'il a promis de faire, we must also go to God with his words aussi aller à Dieu avec sa parole, and tell him what is written. Et lui dire ce qui est écrit. I shall be the head and je not the tail. La tête et non la queue. You just need to repeat to vous God what he already said. À Dieu ce qu'il a déjà the dit. Same way Jacob did. De la même manière dont Jacob a fait. So go back to the word of God. Donc retournez à la parole de Dieu. And remind God et rappelez what à Dieu he said about ce qu'il a dit à propos de vous. Hallelujah. Amen. I shall be the head and not the tail. Je serai la tête, I shall be blessed je serai in the city, dans la ville, in the village. Et dans les champs. I shall receive the riches je recevrai les richesses of the Gentiles. Des non-croyants. Like Isaiah 60:11 says. Esaïe 71 le dit. Lord! As you do that in my life, si tu fais cela dans I will support the kingdom. Je vais soutenir I will le royaume. Do this, I will do that. Ceci, je ferai that's cela. The way we work with God. C'est comme ça qu'on marche avec Dieu. You Alleluia. Don't work with God on ne marche pas avec Dieu. Without doing anything for God. Sans rien faire. People of God, peuple de Dieu, I pray that you understand that. Que vous compreniez cela. So, donc, I want you to say this. J'aimerais que vous dites ceci. I break all the limits in je my life. Toutes les limites de ma vie. I refuse any failure in my life. Je refuse tout échec dans ma vie. I shut any evil voice in my life. Je ferme toute voix démoniaque dans ma vie. And I let the voice of the blood et of Jesus. Je laisse la voix du sang de Jésus. Rise out more than any other voices. Je lève plus yeah. que toutes autres voix. Pray now. Pray now.